La porte pour le mois d'août, bah, il est fermé, il est là. On est devant le Grand Rex. Le plus grand cinéma d'Europe. Bougez plus. Ouais, bougez plus. Fermé. Il a fermé ses portes pour le mois d'août. Il n'a pas assez de spectateurs. C'est le Grand Rex. Regarde, il y a une comédienne en bas au rez-de-chaussée. D'accord. Il y a une comédienne au rez-de-chaussée. Même les comédiennes, le pauvre, il n'y a plus de boulot. C'est fini. Il faut aller sur Netflix. Voilà. Là, c'est un peu la chute du cinéma. Le Grand Rex est fermé. On est en plein mois d'août. Logiquement, il y a quand même du succès dans les salles. Pas cette année. Normalement, quand il faisait chaud, on disait allez au cinéma, c'est climatisé, vous serez bien. Ça va la Rome ? Il fait très chaud, on est devant le Grand Rex, il est fermé. Pour l'été. Pas assez de spectateurs. Chute brutale de 80% dans les salles par rapport à l'année précédente, par rapport au mois d'août 2019. 80% de chute. Je t'aime jusqu'à l'aéroport. Oh, on est sur la fin. Hein. On est sur les grands boulevards. Boulevard Poissonnière. 40 degrés à l'ombre là et... 39 à l'ombre, mais là on est au soleil. Hein. On va faire 40 là. Ouais. On n'est pas du bon côté là. Vas-y, reste là, fais-moi l'ombre. En plus, il est réfléchi. Il est réfléchissant ton panneau. Merci madame. Merci madame. Merci madame. Rejoignez-nous. Alors Rémi, t'as des nouvelles de Bordeaux ? Non. Vous avez des nouvelles de Bordeaux ? Beaucoup de monde. Oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Je leur pose la question aussi. Une grosse mobilisation de ce que j'en m'a dit. Ouais. Personne qui s'est montée d'ici, d'à Bordeaux. Il doit faire aussi chaud qu'ici, sinon plus. Personne ne serait épargné. Mais on peut dégager quand même. Ah oui ? Personne. Parce qu'à Bordeaux, comme dans d'autres villes de France, c'est pas forcément déclaré, c'est ça aussi. Je sais pas. Ouais. Attendez, moi je suis pas au courant de toutes les organisations qui se passent, je suis pas d'hémosphère. Voilà. Voilà. Oui, il y a d'autres villes qui déclarent. On a choisi le vote camp. Une ville ouais, à l'autre, ça peut être le commissariat du quartier, comme ça peut être la préfecture, et etc. J'ai appelé même des personnes, par exemple, de Lille, de d'autres villes, qui des fois viennent me parler en MP pour savoir comment faire pour déclarer. Donc je leur demande de se rapprocher du commissariat ou de la préfecture pour pouvoir prendre des renseignements. Là, par exemple, il y a des personnes qui vont déclarer, malheureusement, j'ai pas la date, mais ils vont m'envoyer l'événement à Lille, très prochainement. Donc voilà, donc après, les histoires déclarent, pas déclarent, on va les rincer, c'est pas ce qu'on compte. Ce qui compte, c'est de sortir, faire sortir le peuple, faire la masse, et on y va. Merci.